fait 3 ans de suite qu'on a des crues quand même correctes, dont une exceptionnelle le 15 octobre 2018. Vous suivez les infos sûrement, le réchauffement climatique, les rapports du GIEC qui nous annoncent des pluies extrêmes en augmentation, enfin entre 15 et 20% de pluies extrêmes en plus. Je pense que la ville d'Allinghe, ça sera sûrement un exemple pour malheureusement ce qui se passera, et ça c'est clair, dans d'autres villages du département, parce que des villages dans l'Aude avec des ruisseaux qui traversent comme ça, il n'y a que ça. Hein. Enfin, voilà. Là c'est le fameux pont, là, le fameux pont en question. Il faut s'imaginer, parce que les gens, même tu vois, quand les gens voient des vidéos de crues torrentielles méditerranéennes, tant que t'as pas le bruit, tu t'imagines pas ce que c'est. Enfin, faut imaginer les gens avec les voitures qui tapent contre les murs et le bruit que ça fait. Hein. Tu n'entends pas parler. Hein. C'est tellement. C'est impressionnant. Hein. Enfin, j'imagine ce que les gens ont vécu. Hein. On a vraiment l'impression, en fait, d'arriver comme si c'était le lendemain. Et on sent des lieux qui sont marqués. Il y a encore plein de cicatrices autour de nous. Même l'humidité sur les murs est encore présente, presque 2 ans après la catastrophe. La rivière nous a fait mal, mais il faut la reconquérir, la laisser libre, parce que de toute façon, on ne pourra pas empêcher de la faire passer, mais la laisser libre, mais par contre, se la réapproprier, sachant en plus que 10 mois sur 12, il n'y a pratiquement pas d'eau dans la rivière, donc il faut en faire quelque chose. Alors voilà, il faudra se souvenir, il faut donc... Mais effectivement, je pense que les jeunes vont pouvoir, en tout cas, c'est ce que j'en attends, moi, qu'on ait des idées nouvelles, et parce que, ben ouais, ils vont le voir différemment, et surtout, ils ne l'ont pas vécu, donc ils vont travailler sur ce qu'ils viennent de voir. L'idée du workshop a émergé, ça fait un peu plus d'un an. Là aujourd'hui, sur cette semaine, on va se concentrer sur 2 communes, Saint-Hilaire et Vigaillac. C'est des petites communes qui sont traversées par des cours d'eau et donc qui ont été touchées à la fois sur leur espace public, mais aussi sur leur habitat, parce qu'il y a pas mal de démolitions qui sont à venir, qui demandent aux communes de repenser une manière d'habiter et d'habiter leur commune et leur territoire. 5h du matin, sur le pont, regardez ce qui arrive. Voilà. 12 mètres. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 4 mètres, c'est l'alerte normale, 7 mètres, l'alerte rouge, et là, on est à 12,40. Donc ça, c'était alerte violette. Là, c'était noir. C'était noir. Voilà. Donc, les gens, à 5h du matin, ils avaient de l'eau dans les chambres. Dans les maisons que vous voyez en face. Mais on peut rien faire. Hein. Nous, on a prévu une étude globale qui va de l'aval du village jusqu'à 13 ans en amont dans le village pour hydrauliquement voir où tu peux accélérer les flux et après où tu peux... L'accélération que tu as créée pour éviter les enjeux, tu vas la résorber dans des zones où tu vas faire étendre et étaler la rivière, le flux d'eau qui arrive. C'est toute la réflexion est sur ça. La divagation des cours d'eau est de plus en plus pris en compte. L'espace de mobilité, l'espace de bon fonctionnement, la zone où la rivière est la plus active, les élus le comprennent et disent « bon ben voilà, on s'est peut-être rapproché un peu trop près », que ce soit dans le tissu urbain ou dans le tissu rural, hein, même les vignes, on veut gagner cet espace sur la rivière. C'est un partage de l'espace. La terre est un espace fini, je dis souvent. Il y a 3 grandes entités, l'agricole, l'urbain et l'espace naturel qui se recoupent. On prend un petit peu, on vient, on se partage ces espaces-là et il faut arriver à trouver le bon compromis. Là, ce qu'il faudrait aller chercher, c'est gagner 4 mètres jusqu'à la route et avoir un profil où tu vas avoir une pente douce, le plus doux possible. Plus tu auras des pentes douces, mieux ça sera sur une berge. Une berge idéale ou que tu trouves dans un état naturel, elle est très la plage plate qui remonte doucement.
Et après, quand il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Moi, je vous conseille, si vous avez le temps, d'aller voir le Trapel Amont, qui est resté dans un très bon état avec des prairies naturelles de narcisses et des prairies permanentes, qui est un petit cours d'eau qui fait énormément de méandres de faible amplitude, qui peut vous donner une idée de ce qu'on voudrait réussir à atteindre ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Trapel, c'était un ruisseau complètement dénaturé, comme énormément de ruisseaux et de rivières méditerranéennes qui sont fixés pour les besoins d'irrigation agricole depuis des siècles, des siècles et des siècles. Ce qui est clair, c'est que les gens, quand ils vous disent « je connais la rivière, j'y suis né, je la vois depuis que je suis tout petit », en fait, ils connaissent les versions aménagées des rivières méditerranéennes. Près de 60% des constructions entre 1970 et les années 2000 ont été établies dans les zones inondables. Donc ça montre bien qu'il y a eu aussi des erreurs de commises en matière d'urbanisme. À Villegaïen, on voit quand même qu'il y a des extensions urbaines, on voit qu'il y a eu, on en parlait avec des étudiants, il y a eu quand même des cours d'eau qui ont été un petit peu dévoyés, modifiés. L'imperméabilisation des sols aussi n'arrange rien. Donc Villegaïen, malheureusement, a concentré un peu toutes ces problématiques. C'est-à-dire qu'on a des extensions qui ne sont pas toujours très bien placées, on a les berges qui sont occupées de part et d'autre de la rivière, on retrouve des extensions urbaines, donc on a eu quand même une artificialisation assez massive des sols. Et avec des parties canalisées en milieu urbain, le maire d'eau a été canalisé, donc on a réduit quand même le cours d'eau, ça interroge. Sur ces principes de post-inondation, je dirais qu'il y a une partie qui peut s'inscrire dans votre approche par rapport à l'acquisition via le fonds Barnier. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui ont été fortement endommagés, qui vont faire l'objet d'acquisitions par l'État et rétrocédés à la commune, qui vont être démolis. Donc du coup, ça va créer des vides dans le cadre du post-inondation. Et c'est vrai que l'étude de recomposition urbaine, elle est aussi là pour se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces vides. Il y a eu une personne qui a fait appel au Barnier, c'est celle qui a la véranda bleue là-bas. Oui, mais elle l'a pas eu. Seulement elle ne l'a pas eu. Mmh. Parce que bon, elle est trop haute par rapport aux autres, et puis la structure n'avait pas bougé, elle n'a pas eu 2 mètres d'eau en façade. Mmh. Voilà, quoi. Bah, c'est du bas, 1m60, c'est pas loin d'un 1m80. Là-bas, il y a un espace refuge, mais elle est en rez-de-chaussée, elle. Ils sont en rez-de-chaussée. Eux, ils auraient pu, s'ils voulaient, à la limite. Oui, mais ils n'ont pas voulu. Alors, ils ont créé un espace refuge, par contre. D'accord. Ils ont créé l'espace refuge. Je pense que c'est important que les jeunes générations de paysagistes et d'architectes se penchent sur ces sujets-là. C'est des sujets qu'on verra un petit peu partout. On a 5 départements en Occitanie qui sont concernés directement par ces phénomènes d'inondation importantes. Donc moi en tant qu'ABF, je sais que j'aurai à retravailler sur ce sujet et que le CAUE se positionne en tant que conseil sur ces problématiques. Quand on sait qu'on risque de perdre des centres anciens complets comme à Villegaïen, je pense que ça peut arriver ailleurs. Je pense que c'est bien qu'on soit dans cette démarche, on va dire, un petit peu collaborative et que vous soyez, vous, le moteur pour essayer de donner un petit peu de matière première, de matière grise aussi aux élus qui manquent cruellement d'ingénierie. Bonjour, bienvenue dans notre atelier participatif. On a mélangé deux écoles, deux compétences, deux étudiants, deux types d'étudiants. Donc les étudiants de l'école de paysage de Bordeaux. Oui. Et des étudiants de l'école d'architecture de Montpellier. Je pense que les étudiants, ils se sont rendus compte que c'était encore présent, même si ça va faire 2 ans, c'est encore présent dans la mémoire des gens. Là, on a discuté hier avec une dame qui maintenant s'éloignait de la rivière. La rivière qui est un signe de vie, hein. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc elle a ce rejet. De la rivière, et je pense que le travail des étudiants vont être comment pouvoir réconcilier en fait les habitants à ce contact de l'eau. Ils se sont rendus compte aussi qu'il faut avoir beaucoup d'empathie. Il faut savoir écouter les gens, se mettre à leur place.
et pas arriver avec notre science et dire bon ben voilà, on a la solution à tous vos problèmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant du projet qu'il y a ici. Oui, on a un pôle. Oui, donc il y a un pôle ici qu'on veut renforcer, mais en même temps il y a ici ces côtés avec le pôle santé. Donc il y a deux pôles qui sont en train d'évoluer. Oui. Mais la plupart du temps, on sait que... Vous avez prévu un parking ? C'est ça. Mais ça a été racheté, cette parcelle. Ah, et par qui alors ? Par mon voisin. Donc c'est privé, quoi ? Oui, oui, c'est privé maintenant. Ok, bon, on va le noter. C'est sûr, ça a été signé. Oui, oui, oui. J'ai vu le géomètre venir faire les... Oui, oui. J'espère qu'ils vont pouvoir faire un travail qui soit créatif, en fait, presque. Et puis un peu innovant, pourquoi pas, et peut-être qu'ils essayent de transformer ce qui s'est passé en opportunité. Et après, c'est savoir aussi pouvoir se projeter sur le futur, penser à plus tard. C'est que là, on est vraiment sur un travail de résilience. Il y a eu un choc, il y a eu l'évolution, l'adaptation au changement climatique. On sait qu'il va falloir faire les choses un peu différemment. C'est comment on peut se projeter sur une ville qui plaise maintenant et qui pourra plaire aussi dans 50 ans et qui soit adaptée aux évolutions qu'on va avoir. Donc ça, c'est ce travail qui est très ambitieux. C'est une démarche qui est très difficile, qui a commencé à être entamé là, et s'ils peuvent essayer d'aller vers ça, ce serait bien. Ce qu'on voulait, c'est pas avoir vraiment une table rase du passé et de réutiliser en fait l'empreinte bâtie. Déjà d'une part dans les circulations, en fait, donc recréer les rues et conserver en fait l'empreinte des murs existants pour en faire un espace public. L'idée, c'est de récupérer toutes ces pierres d'encadrement. Il y a des linteaux galbés, il y a des clés de linteaux sculptées, il y a des déchaînages d'angles. Le fonds Barnier impose l'inconstructibilité des parcelles. Donc moi, je suis obligé de faire avec. Après, on l'a vu, c'est un équilibre entre mémoire, récupération de certains matériaux, qualité des espaces publics, et puis peut-être se servir de cette trame paysagère pour recomposer des ensembles, ou en tout cas reconstituer des traces de ces formes urbaines qui tendent à disparaître dans les projets, malheureusement. Vu qu'on est sur une zone qui est donc on peut rien construire, pas de bâti, donc autant l'utiliser et d'aménager donc ces principes de restanque avec donc des potagers à certains endroits. Ce ne serait pas uniquement des potagers, on peut jouer sur le verger, on peut jouer sur des potagers d'agrément, on peut jouer sur des idées de plus parc entre guillemets. Parce qu'on a remarqué qu'en fait on retrouvait beaucoup d'endroits où il y avait un arbre avec quelques chaises. Et une façon de se retrouver en fait, et du coup recréer des espaces un peu d'intimité dans des endroits qui ont été détruits. Donc là, ce sera les maisons détruites ici, ici et ici. Et de manière à conserver un peu ce jeu de rencontre qu'on trouve dans les villages méditerranéens quand il fait très chaud l'été, on aime bien se retrouver à l'ombre, au frais un peu. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un questionnement déjà sur les périmètres, sur les chaînes d'intervention. Il y a des paysages qui sont intervenus en amont et d'autres en amont en fait du village, d'autres en aval. Et après, avec les architectes, ils ont commencé à qualifier l'espace avec des aménagements à la fois à la prise en compte du minéral, du végétal, des ambiances, des températures estivales qui sont très chaudes. Il y a une prise en compte de la temporalité de plusieurs temps dans l'année, plusieurs climats. Et je pense que les étudiants paysagistes ont amener en fait cette réflexion-là. C'est important même, je dirais, ce devoir de mémoire. Autant il est important dans l'histoire, un devoir de mémoire, que là, c'est l'histoire du village. Et c'est vrai qu'il faut, il faut que les gens sachent ce qui s'est passé à Saint-Hilaire en 2018. À l'endroit où il y a cette canalisation vraiment à ciel ouvert qui est bétonnée entièrement, et donc le débit est très important et il n'y a aucune imperméabilité des sols. On pense débétonner le fond du merdeau pour permettre encore une fois cette infiltration et que ce soit le débit soit plus doux. La végétalisation du fond du merdeau, c'est un super projet. Et la mise aussi en parallèle avec la plantation de platanes sur la partie
qui fait miroir donc sur le en bout de zone démolie est assez sympathique à envisager aussi. Ces platanes en pleine qui vont renaturer un petit peu le cœur de l'agglomération. C'est une très bonne idée. On propose l'aménagement donc d'une balade l'autre côté du Béal, le long des jardins potagers. Comme on peut voir, l'idée c'est vraiment d'amener des espaces mutualisés où au final on ne va pas seulement cultiver, mais ça devient vraiment un jardin pour les gens qui habitent dans le centre du village, qui n'ont aujourd'hui pas d'espace extérieur. Il y a un point que je trouve intéressant particulièrement, et on le voit bien ici, c'est que tous les usages un peu collectifs que vous avez mis dans ces jardins, au-delà des jardins potagers, c'est des outils pour valoriser aussi votre centre ancien. Parce que souvent ce qu'on dit, la faible attractivité des centres anciens, c'est parce qu'on n'a pas d'extérieur. Et ce qui est intéressant dans votre projet, c'est qu'on donne de l'extérieur au centre ancien et on valorise le centre ancien en aménageant ça. Et je trouve ça très intéressant. En même temps, moi j'aime beaucoup votre idée de lieu de mémoire. Oui, en conservant ça c'est important. Les sous-bassements, les habitations, planter un arbre ou pas, mais le concept de lieu de mémoire me plaît énormément. Oui. Moi, je suis né à Saint-Hilaire. On a aimé le loquet, on a appris à nager, on a appris à pêcher, on vit avec le loquet. Ce loquet, il faut continuer à vivre avec. Mais pour continuer à vivre, il faut l'aménager, et il faut essayer d'enlever la peur aux gens, parce qu'il y a une psychose qui est terrible. À la moindre alerte, c'est fini, les gens s'en vont des maisons, hein. Les gens ont peur. Et tout ça, c'est un travail qui va être long, hein, pour refaire avoir confiance aux habitants.